Bonjour, bonjour, mes créatives. Alors aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je vous présente le premier produit de ma boutique en ligne. Et oui, voilà, j'ai ouvert ma petite boutique en ligne où je vous propose des produits pour de multiples créations, pour de multiples projets, notamment de l'album, du cadre photo, des et une autre multitude d'objets. Je vous propose surtout donc les structures, voilà, beaucoup d'aide pour faire les structures et quelques embellissements, bien sûr, des rubans. Vous savez que j'aime les rubans, donc je vais vous proposer un petit panel de rubans. Voilà, donc ce premier kit que je vous propose, c'est un kit qui s'articule ainsi. Donc vous avez plusieurs planches de carton assez épais déjà prédécoupées, voilà, avec plusieurs dimensions qui va vous permettre de choisir trois formats différents d'albums. Donc sur l'emballage, vous avez voilà une petite photo des trois présentations différentes que vous pouvez composer avec votre cartonnage. Je vais vous montrer en vrai comment on peut les composer. Donc, on y retrouve dans ce kit deux grands panneaux, deux petits pour faire des petites tranches et un grand pour, enfin un grand, plus large, pour une plus large tranche. Alors, on peut tout simplement l'articuler ainsi en utilisant donc les deux cartons. Voilà, en collant la grosse tranche au milieu. Ainsi, nous avons un album avec, voilà, avec une tranche assez large. Voilà. Ou alors, on peut faire exactement la même chose, mais avec une tranche plus fine. Voilà ce qui vous donne un petit album, voilà, beaucoup plus fin. Voici pour la version, on va dire, simple. Ensuite, nous avons une autre possibilité un petit peu plus complexe, où là, donc, il faut suivre un certain ordre. Donc, ma grande plaque, une petite, on rajoute une autre grande, là, de nouveau, la petite, et ça va, je suis encore dans le champ. La moyenne, alors, je vous attache tout ça. Ainsi, on a un album qui s'articule comme ceci. Hop. Voilà, avec une fine tranche et hop, une ouverture. Voilà, avec un petit volet devant. Alors, on peut le mettre devant ou à l'intérieur. Ça, c'est comme on veut. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Ensuite, encore une autre façon de l'articuler. Alors, cette fois, tac, tac, tac. Nous allons. Alors, comment c'est? Alors, comme ça, comme ça. Il va falloir quand même, du coup, pour la dernière ici, du coup, couper en deux ce carton pour pouvoir mettre une moitié ici, hop, et l'autre moitié ici. Ainsi, ça va se fermer, vous voyez, ainsi au milieu. Alors, du coup, comme c'est un petit peu plus complexe, c'est ce que je vais vous montrer en tuto aujourd'hui, mais en utilisant
la dernière pièce et en faisant en fait le fermoir au milieu. Voilà, donc je vais vous montrer, on va dire, une variante de cette composition, voilà, que vous pouvez faire. Et donc je vais utiliser bien sûr les produits, tous les produits que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Voilà, je vous mets le lien juste ici. Il n'y a qu'à cliquer et à faire son choix. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors, nous allons commencer par prendre une des grandes plaques. Donc, qui mesure 22 par 18 cm. On va venir donc la couper en deux, donc à 11 cm. Nous allons maintenant, hop, donc on met juste de côté la moyenne partie que l'on viendra installer en dernier. Alors, je vous montre l'articulation. Donc, ces deux morceaux que nous venons de couper viennent aux extrémités, la grande au milieu et les deux petites s'insèrent juste ici. Voilà. Nous allons attacher tout ça avec, enfin, attacher, on va dire, les tranches avec du faux cuir. Donc, pour les tranches, je suis venue découper deux morceaux de papier faux cuir. Donc, de hauteur 22 cm sur 7. De l'autre côté, j'ai tracé un trait repère au milieu, donc à 3 cm et demi, pour pouvoir coller ma tranche bien droite. Donc sur la petite tranche, j'ai également tracé un trait au milieu, donc la tranche faisant 2,7 cm, j'ai tracé mon trait à 1,35 cm. Voilà, ainsi, je vais déjà en coller toute cette partie au dos et je vais pouvoir la placer, donc ligne sur ligne, ainsi, ma tranche sera bien au milieu. À l'aide de monter pour avoir un espace, un bon espace, on va dire, entre les deux et que ce soit bien droit. Donc je vais venir hop, en coller légèrement donc mon carton pour pouvoir venir le coller ici. Voilà. J'enlève mon T et je fais pareil de l'autre côté avec le grand morceau. Et voilà. Et maintenant, je peux coller, enfin en coller la languette du haut. Donc là, j'ai encollé la petite languette. Hop, j'ai mis un petit morceau de double face sur le carton et je peux ainsi le rabattre. Voilà, je fais pareil en bas. Voilà, on n'oublie pas de marquer le pli.
Ainsi, on a déjà une belle première tranche. Et on fait exactement pareil pour la deuxième. Voilà, mes deux, on va dire les deux, comment ça s'appelle? Mes deux tranches sont à présent faites. Voilà, avec ce joli noir. Nous allons maintenant recouvrir le carton. Donc, pour cela, je vais prendre du papier. Alors, j'ai choisi un joli papier un peu rouille. Donc, je vais déjà mesurer la largeur. Donc, pour cela, je me cale contre mon faux cuir. Et je viens faire, hop, un petit trait repère. Juste, voilà. À la jonction de l'autre. Donc là, j'ai pas grand-chose à couper. Et du coup, on va dire dans la hauteur, je viens recouper un morceau de 22 cm. Ainsi, je peux venir. Donc là, je vais utiliser du double face. Voici donc pour le morceau du milieu. Nous allons faire maintenant les rabats avant. Donc, pour cela, je vais venir mesurer alors la largeur. Alors, mon crayon de papier. Donc, je me mets tout contre le simili-cuir et là je laisse à peu près 2 cm. Donc je coupe à mon repère et je viens couper dans l'autre sens, donc dans le sens de la hauteur, 22 cm. Voilà. Et je procède de la même façon. Donc, j'y mets mon double face. Et là, donc j'essaye de le mettre le plus droit possible. Voilà, et je vais venir faire les coins. Pour faire les coins, j'ai mon petit outil magique que vous avez déjà dû voir dans certaines de mes vidéos. Hop. Donc là, j'ai juste à le mettre en fait donc dans le coin de mon carton. Je trace le trait. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et je peux venir couper en suivant montrer et ça nous fait exactement la bonne largeur en fait pour faire un coin parfait. Voilà. Alors, je vais déjà en coller tout ça.
je viens marquer mes plis vite fait, hop, juste pour donner une petite forme. Je commence toujours par la plus grande des parties, donc j'y rajoute un petit peu de colle. J'enlève mon double face. Voilà. Et là, voilà, je viens bien appuyer. On enlève le surplus de colle. Et surtout, on vient appuyer et rentrer vers l'intérieur ce petit excédent de papier que nous a laissé le guide. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je le rentre bien à l'intérieur et j'appuie. Ensuite, voilà, idem. J'encolle mon papier. J'enlève cette pellicule de double face. Et j'appuie bien. Ainsi, on a un angle parfait. Voilà, on fait pareil en bas. Voici pour le premier volet. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Notre album est à présent recouvert voilà, sur tout l'extérieur. Voilà. Nous allons maintenant utiliser donc le dernier petit carton qui nous reste. La grosse tranche, en fait, qu'on va venir utiliser en fermeture. Donc, je vais le rhabiller de faux cuir et on va venir le coller ici. Donc, ce dernier morceau faisant 8 cm par 18, j'ai donc tracé un trait repère à 4 cm. Et pour donc le morceau de faux cuir, j'ai donc découpé un morceau de 12 cm par 22. Et à l'intérieur, j'ai tracé un trait repère donc à 6 cm. Ainsi, nous procédons exactement pour la même technique qu'avant. Voilà. On va venir le coller donc bien aligné sur la ligne du milieu et ainsi notre morceau sera bien placé. Alors, et voilà, mon carton est à présent recouvert de simili-cuir. Je vais pouvoir le coller maintenant au milieu pour pouvoir faire ma fermeture. Mais avant cela, je vais y placer le ruban parce que je vais faire une fermeture avec un ruban. Pour placer le ruban, donc
je vais le placer quand même au milieu. Donc, notre morceau faisant 18 cm. Je vais venir le placer à 9 cm. Donc, je prends mon ruban. Voilà. Donc, je le place au niveau repère. Hop. Voilà. Je vais placer mon ruban double face. Voilà. Et donc là, je prends toujours soin de laisser un bon morceau dépasser pour pouvoir coller en fait un retour pour que le ruban à force ne glisse pas, que ça assure une certaine solidité. Donc j'enlève mon double face et je viens rabattre, voilà, ce petit retour. Dessus. Ainsi, je vais pouvoir maintenant recouvrir d'un papier pour cacher tout ça. Donc, j'ai découpé un papier donc du même coloris que la couverture qui fait 7 cm par 17. Donc, j'ai un morceau de ruban qui est collé. Donc, qui va venir se coller sur cette partie-là. Voilà, on le collera après. Maintenant, je vais attacher le ruban sur le volet de l'autre côté pour qu'il puisse, voilà, s'attacher au milieu ici. Donc, je procède exactement de la même façon. Voilà, donc là je ne fais pas tout de suite le retour puisque on le fera quand on recouvrira l'intérieur. Nous allons à présent coller notre pièce de fermeture. Donc bien sûr le ruban du côté droit. Là, je vais venir faire une petite mesure repère, puisque mon morceau là du milieu faisant 8 cm, je vais le coller sur 4 cm ici. Donc, je vais faire une petite ligne repère à 4 cm. Je vais le déplier entièrement, ce sera quand même plus simple. Voilà. Et là, je vais pouvoir en coller toute cette partie de double face. Et donc, hop, je m'assure que ce soit bien le côté parce que vous me connaissez, on n'est pas loin de la boulette. Donc bien le ruban sur la droite. Et là, voilà, je colle le long du trait et bien droit en haut et en bas. Voilà, ainsi nous avons quelque chose de propre. Voilà, et la fermeture s'articulera ainsi. Voilà, on pourra faire le nœud au milieu. Alors, hop, on fera juste une petite
modification ici. Alors, je vais faire aussi mon repère à 4 cm. Comme ça, je vais faire un retour. Alors, je vais juste faire ma petite marque à 9 pour que ça reste bien droit. Je fais un retour ici. Voilà. Je vais le coller, hop, de double face. Bon, de toute façon, pas avec celui-ci. Alors, je m'en mêle les pinceaux. Il est où mon... Il est là, le large. Voilà. Et là, je vais faire de même. Je vais poser, hop, du double face en laissant, hop, une petite... un petit matage, en fait. Hein, je vais pas jusqu'au bout. Alors, je vous explique. Et là, je vais pouvoir faire donc mon retour de ruban et y coller donc la dernière petite partie de faux cuir. Voilà, juste ici. Donc, je vais le recouper. Hop, à 17,5. La largeur est bonne. Et je vais juste le recouper à 17,5. Voilà, alors je l'imbibe quand même de colle. J'enlève tout ça, j'oublie pas de mettre, voilà, mon ruban. Et je viens y coller, voilà, ma bande de simili-cuir. Voilà, bien droit. Tout en laissant voilà, un petit pourtour. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Je vais vous montrer à la fermeture. C'est pour que, hop, voilà, quand on ferme, le ruban soit là, et là, quand on serre, voilà, ça va nous bloquer la fermeture. Donc là, c'est pas très très sec, puisque si on serait resté là, en serrant, on peut, ça peut s'élargir, c'est pas très juste. Donc comme ça, ici, voilà, la fermeture sera juste bien. On va pouvoir maintenant s'attaquer à l'intérieur en recouvrant les tranches, en faisant les reliures et en recouvrant tout ça. Donc, pour les reliures, nous allons donc prendre une page structure noire que l'on va venir couper, alors dans le sens
Alors on va déjà on va déjà venir faire les plis. Alors on va venir faire un pli déjà à 4 cm. Puis à 5 cm et demi. Puis 7. Et enfin 4 à 11 cm. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et on va venir le réduire à 17 cm. Voilà. Ce qui nous donne une première tranche. On va venir le plier sur le pli du milieu. Donc on le plie en deux. On le déplie. Et donc les morceaux de 4 cm, on vient le plier vers soi. Donc une fois. On le retourne. Et deux fois. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. On vient en coller le centre pour nous faire voilà la reliure de une page. Voilà. On vient biseauter. Pas mon ciseau. On vient biseauter l'angle. Voilà. Et on fait ceci deux fois. Donc une deuxième fois. Maintenant que nous avons nos deux reliures, nous allons pouvoir les coller dans l'album. Donc j'ai déjà mis du double face. Donc je vais enlever cette pellicule. Hop, j'y rajoute un petit peu de colle. Voilà, où il n'y en a pas. Alors, pour la reliure de gauche, je vais aligner le bord de droite sur le simili-cuir ici. Donc, je fais attention d'être droite à peu près en haut, en bas, d'avoir la même hauteur. Ainsi, je vais avoir la reliure décalée par rapport au centre de ma tranche. Ce qui est tout à fait normal, puisque comme on va avoir deux pages, il faut qu'elles puissent se chevaucher. Voilà. Donc là, hop, j'applique bien et... J'insiste donc au niveau des plis pour que mon album puisse fermer correctement. Voilà. Et donc du coup, je fais exactement la même chose, mais avec le repère de... si, de... Pas que je me trompe. Donc avec les repères aussi de droite, puisque notre page va être donc plus à gauche. Là, la page va être à droite et là, à gauche. Une fois sec, je plie doucement. Voilà.
tout se fait parfaitement bien. Il ne me reste plus maintenant qu'à recouvrir donc cette partie-là de noir et ici. Donc pour ce faire, tout simplement, on va venir prendre les mesures. Donc comme tout à l'heure, je vais venir prendre une page. Hop, alors je vais légèrement la décaler pour pouvoir voir. Voilà, donc je la mets bien contre ici ma reliure. Je fais mon petit repère ici. Voilà, je coupe. Et je coupe dans l'autre sens à 17 cm. Ainsi, hop, j'ai mon morceau. Voilà. Je peux le coller. Qui coïncide parfaitement. Je fais pareil de chaque côté. Et ce côté, en n'oubliant pas de rabattre mon ruban. Notre structure d'album est à présent terminée. Voilà, je vous laisse regarder. Il y aura donc deux pages qui vont s'articuler ici, plus d'autres, vous connaissez bien sûr, d'autres interactions à l'intérieur. Mais nous verrons ça dans un prochain tuto. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a inspiré et vous a donné envie de voir le reste. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur mon logo pour vous abonner afin de ne pas louper la suite. Voilà, et bien je vous dis bonne journée, bon scrap et à bientôt vers de nouvelles créations. Bye bye.